Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour ce 8e épisode de cette série sur Stellaris. La dernière fois, nous étions en train de faire le ménage dans les systèmes qui étaient un peu occupés par des aliens grâce à notre flotte qui est assez performante et que je devrais peut-être un peu agrandir. Peut-être faire de nouveaux vaisseaux, on verra bien. En tout cas, j'étais en train de me poser la question si je faisais si j'allais coloniser la planète de Ethol, pardon, qui était une planète continentale, ou si j'allais sur Irga. Eh bien, ma décision est prise, je vais attendre de savoir un peu la surface de cette planète, s'il y a beaucoup à détruire ou pas. Je vais y réfléchir, tu vas me reconnaître le système, s'il te plaît, et tu feras aussi ensuite les projets de recherche, s'il te plaît. Bien. Allons-y. Comme ça, je saurai ce que je ferai. De toute façon, en soi, je pourrais construire un avant-poste. Un avant-poste, ça se détruit. Donc, c'est pas trop grave non plus. Tout, c'est pas comme si il me manquait des minéraux. Disons que j'en ai beaucoup, des minéraux. Ah, ici, il a fini d'explorer. Parfait. Bah, tu vas aller ici. À Yanduz. Quoique non. Tu vas aller à Bera. Afin de finir le système dans le coin, là. Parfait. J'ai rencontré personne. Ouais, coloniser ici, là-bas. C'est quoi cette planète? 19, ah, elle est assez imposante. C'est vrai qu'ici, il y a ce système-là de renaissance primitif. Mais c'est pas intéressant comme planète, elle est aride ou désertique. C'est quoi, c'est une planète... désertique, c'est ça. Voilà, j'ai mon vaisseau de colonisation qui va bientôt se finir. 99%, voilà. Terminé. Donc explore-moi le système. Je voudrais avoir des informations s'il te plaît sur cette planète. Le reste je m'en fous, c'est des mondes stériles. Autant le reste par contre m'intéresse un peu. De l'énergie. C'est bien que je gagne tellement d'énergie qu'au final j'en ai vraiment plus besoin. J'ai un stock. Bientôt je pourrai améliorer ici. Ah, recherche terminée. Oui, la durée de vie, c'était assez rapide, surtout que j'avais le bonus du fait que ma scientifique est spécialisée dans la recherche en biologie. Coût des décrets, moins 15%, ça pourrait être intéressant. La raffinerie, révèle la ressource. Ça, c'est sympa. Ouais, raffinerie d'Angos, ça pourrait être sympa. Je prends, je valide. Je valide. Vaisseau scientifique, ici, il a fait... Déjà, c'est un petit système, alors. C'est bon, tu peux aller là-bas. Ah, il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait que dalle. Vraiment un tout petit système ridicule. Ridicule. Projet minuté, c'est bon. Alors. La planète. Ah ouais, il y a beaucoup de choses à détruire, et j'ai pas vraiment encore les techs que pour défricher les jungles. Ouais. Bon ben c'est fait, hein. Choix est décidé, on va construire un avant-poste ici. Et on va prendre le vaisseau de colonisation pour qu'il aille à Irga, afin de me coloniser notre première planète où nous ne sommes pas vraiment les bienvenus. On va se mettre... Bientôt je pourrais détruire les volcans. Ouais, on va se mettre là. En plus, les vagues fraîches, je pourrais les détruire aussi. Oh, bon, on va se mettre là. Si c'est cool. Allez, hop. On va coloniser une planète. Irga. Allez-y, messieurs. Je vous attends. Très bien. Bah, toi, tu vas bouger également. Tandis que d'ici peu, on pourra aller... on pourra faire des choses dans ce système. J'espère ne pas avoir... d'avoir le temps pour faire la mission, le mandat de recherche orbitale. J'espère avoir le temps. Bon, là-bas, il va me faire le truc. Oui, 7%, tu peux rechercher. Élection. Ah, ça va être juste, hein. Je pense pas avoir le temps. Regardez, la sorte de cette planète a permis d'investir une étrange formation montagneuse. Ah oui, on avait déjà eu droit à ça. À ce genre d'event, je me souviens.
Bien. Nous attendons le vaisseau de colonisation. Donc coloniser cette belle planète océanique. Camino avec les cloneurs. C'était marrant ça. Squelette géant, encore? Ah là là. Les squelettes géants. On a que ça. Et ben après d'avoir fait tout ça, tu iras nous faire le projet de recherche. Mandat nouveau chef? Ah bon bah dommage hein. C'est triste. Nous avons donc Jean-François Durand. Chef élu. Jean-François Durand à nouveau. Eh ben. Qu'est-ce qu'il faut lui? Ah il a fini, il n'y avait rien ici également. Eh ben, c'est pas triste tout ça. Alors, bah tu vas nous faire. C'est quoi le mandat en fait? Exploitation minière. Ok. Dommage. Ben, le gars, il va nous faire les stations minières, comme demandé. Le système a été exploré, parfait. Ici, maintenant, il va s'agir de faire tous les projets minutés. Bien. Ouais, normalement, on devrait réussir à prendre Occident. Ça devrait se faire. La musique, elle est géniale quand même. Un peu trop répétitif, sans doute. Mais quand même, ils ont réussi à faire une musique qui se prête mais tellement bien au jeu. Et à l'univers, à l'ambiance. Je suis fan. Ici, on peut améliorer. Eh ben, améliorons. Ici, tu veux déménager. Ben, on va se faire une petite ferme, s'il te plaît. Ferme hydroponique, comme ça, tu seras plus au chômage. Ici, je peux améliorer. Cool. Ça c'est cool. Ici on attend. On attend. Attendons. Parfait. Nickel. Vaisseau de construction, il fait son taf là. Le petit avant-poste. Ce sera intéressant. Là ici ça s'agrandit. Bientôt on pourra aller. On aura ce système sous notre contrôle. Ah, Occident, c'est le cas. Pas fait gaffe à ça, mais c'est le cas. Le laser des drones miniers, énergie de fusion, c'est bon. Très bon, ça. C'est bien. Alors, quelle recherche a été terminée? Ah, oui, spatioport amélioré. Je pourrais faire les destroyers. Intéressant. Plateforme de défense, ça prenait quoi? 30 mois. Ouais, je vais le faire. M'intéresse les destroyers. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut. On va agrandir le spatioport. Je pense qu'on va se les agrandir tous d'ailleurs. On a de quoi. On va donc se le permettre. Polonia, j'ai rien fait, mais on va attendre, c'est pas grave. Ah toi, tu commences d'abord par faire la mine avant de faire le truc énergétique. Si tu veux. Là-bas il a fini son taf, hein, le système a l'air d'être assez intéressant. On va aller ici s'il te plaît. Puis tu iras explorer ce système-là. Allez vas-y monsieur. Vas-y SG2, explore. Le système de plof. Personne. Voilà, bientôt dans notre contrôle ici. Ah tiens, GIF est sous notre contrôle, mais bon, c'est pas intéressant comme système. C'est même loin d'être intéressant. Ah, la colonie s'est définitivement installée. Parfait, ici, ça, il a fait son truc aussi. Bien. Alors, la planète. Surface. Ouais, bonheur max, tu m'étonnes. On va raser ça. Et on va raser également cet endroit-là. Ouais. Et ici, on va raser
Si, tiens, on peut l'améliorer là. On va l'améliorer, on va pas se gêner. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de case qui m'intéresse. Ici. Par contre, là, ok, c'est bon, il est en train de s'agrandir. Très bien. Déblayez-moi ce volcan. Ça me tue, ça, c'est dans le jeu, on peut déblayer des volcans, c'est... Oh, il y avait un volcan, allez hop, on va détourner la cheminée de lave, hein, ça va être marrant. La hype. Rien amélioré ici, ok. C'est rien amélioré. Je voulais vérifier s'il y avait des trucs à améliorer ou pas. Parfait, génial. Alors je veux... Flotte détectée. Ok, ici on a une flotte pas jolie. Tu vas aller là-bas tout de suite. Et toi, le... Non, c'est le vaisseau de construction, si. C'est je veux que tu ailles ici et que tu me fasses... Non. Attends, non, c'est... Il me fait le projet de recherche, c'est le... C'est le vaisseau de construction. Où est-ce qu'il est? Lui. Je veux que tu me fasses la station de recherche. Voilà. Là, ça me plaît. Si, il y a un méchant amibe spatial. Si vous pouvez lui détruire sa face, celui-là, ce serait sympa. Il m'empêche de faire mon taf. Construction complete. Reviens ici, s'il te plaît. Va me faire ton taf. Toi, tu vas à la poursuite. Ok, ici, il y a un ami spatial. Bah... Allons-y, allons lui casser sa tronche. Ah, celui-là, il est en train de se balader chez moi, je supporte pas ça. Ah, désolé, il y a des choses qui ne se font pas. Et ça, ça en fait partie. Ouais, fais partie, fais ta petite recherche. Il est vraiment en train de se casser, le gars. Alors, raffinerie, on a fini le taf. Ah, les vilaines bébêtes. Ça, c'est important, les vilaines bébêtes. T'as vu que j'en ai quelques-unes, quand même, sur mes planètes. C'est rien de la poussière, la méchante bestiole. Elle a fui. Elle est bien loin maintenant. Ah non, mais franchement, cet empire, la Martin République, là, la Martin République, le même bleu, c'est insupportable. Jeu d'ombre à plof. 1. 6. C'est quelque chose, ça, quand même. Vraiment, c'est quelque chose. On Gaïa. C'est cool, ça. Construction complete. Ouais, ça c'est les surfaces. 78 en recherche pour un point de physique. C'est bon. Très très bon ça. Toi, t'as fini ton petit travail. Alors, je voudrais que mon vaisseau, il aille ici se balader pour détruire le truc. Afin que mon scientifique puisse aller explorer le système. S'il te plaît. Oh, voilà, la flotte. Bâtiment inactif. Mais pourquoi tu t'es cassé toi? Tu vas là toi. J'ai jamais eu le bâtiment. Non mais sans blague. Allons détruire le nuage. Plus de nuages à détruire. Ouais, plus. Toujours plus. Ok, ici il a fait son taf. Et bah là tu vas me faire les stations minières. Il y a beaucoup d'énergie à revendre. Et là il y a des trucs sympas là. 7. 1, 3, 3. Eh ben dis donc, ça c'est des points. Heureusement plus 5 la recherche physique, ça va être sympa. Hein. Alors la bastaille. Détruisez-moi ce nuage. On va l'atomiser le nuage. La violence. C'était violent ça. Projet de recherche. Ensuite tu me fais la reconnaissance du système, s'il te plaît. Toi tu vas te réparer. Bien. Ah,
Là-bas, il y avait une, il y a des méchants. J'ai pas fait gaffe sur la nature du danger, mais ça va pas l'air très très gros. Il n'y avait pas un gros chiffre, il était seul. Ok, bah ici tu vas me faire la station de recherche, s'il te plaît. Ah ouais, ici aussi, carrément. Ah bah ça, c'est pas de chance. Ah, quelle est la recherche terminée? Ah oui, la cartographie des hyperlignes. Même si nous ne voyageons pas à travers l'hyperespace, cartographier le réseau étendu des hyperlignes nous donne un net avantage sur ceux qui font ces voyages. C'est bon, ça. Comme ça, si j'affronte quelqu'un qui a le voyage hyperspatial, l'hyperespace, je pourrais savoir où ils vont. Alors, assigner la recherche. Ouais, bof. Je pourrais améliorer mes boucliers. Défecteur amélioré, c'est bon. Les cristaux, c'est à deux doigts de se finir. Vitesse d'exploration. Non, je vais faire les déflecteurs. Il n'y a personne? Si, lui, il est disponible. Prononce Lugus. Parfait. Dis-moi 39 mois. Ça prend son temps quand même. Ok, maintenant je sais les voyages hyperespace. Donc ici, il y a un lien de voyage hyperespace. Ici, il y en a un qui mène à ce bras. D'accord. D'où l'importance ici de protéger cet endroit. Et ici de protéger celui-là. Intéressant, ça, c'est très intéressant. Là, c'est pour avoir un petit œil un peu plus simple. Une meilleure visibilité. Là, j'ai mes trois planètes. Là, j'en ai une et j'en ai une autre là. Ah, c'est intéressant, ça. Très intéressant. Bien fait de l'apprendre, cette recherche rare. Si j'affronte quelqu'un qui a l'hyperespace, je pourrais savoir où il attaquera, comment il va se déplacer. Et de cette manière, je pourrais le piéger. Parce que mes vaisseaux sont plus lents que les siens. C'est comme si moi je prenais les nationales alors que lui il prend l'autoroute. Sauf que les nationales, ça prend des chemins qui sont plus aisés, plus directs que l'autoroute. C'est comme ça qu'il faut voir le machin. C'est bon. Ah bah tiens, ici ça a augmenté la pop. Hein. Tiens, toi, tu vas faire tu vas faire le truc là, faire l'hydroponique. Par contre, ici, on va se faire des centres de recherche, s'il te plaît. Ça pourrait être sympa. Et ici aussi. Faites-moi des centres de recherche, s'il vous plaît. Plus de points. Je veux plus de points. Mandat rempli, parfait. On a accompli le mandat de notre chef. C'est toujours Jean-François Durand, hein. Ouais, 58 ans. Ça va, il est encore dans la fleur de l'âge. Enfin, un peu vers la fin de la fleur de l'âge, mais ça va, ça reste convenable. Okay, lui, il a fini son taf. Bah, tu vas aller faire la station de recherche ici, il y en a un de deux. Donc on va pas se priver. Après, tu vas faire la station minière. Lui, il fait son taf. Alors ensuite, tu vas me faire toutes les stations. Pourquoi c'est pas possible? C'est dans le truc. C'est seulement que j'ai pas l'argent pour ça. On verra bien. Ce n'est qu'un petit délai. Très bien. Ici, la flotte. Oui, c'est vrai. Ici, il y a le truc, le gros danger. Là, c'est le planète sanctuaire, le système sanctuaire. Faut pas y aller, là. Si, 4 par contre, vaisseaux aliens sont 4. On va aller voir vite fait ce que c'est. Et hop, on y va et on repart. D'entrée de jeu. Ouais, système sanctuaire, c'est vrai que maintenant, ouais, maintenant je me souviens ce qu'avait ça. Ouais. Dangereux. Très dangereux. Ouais, c'est pas possible. Pourtant, sur la carte, c'est écrit que c'est à l'intérieur de mes frontières. Vous êtes sérieux, les mecs? Vous vous foutez de ma gueule. C'est du foutage de gueule. Bon, vous allez va là-bas, Occident. C'est chelou, ça.
Parfait, ici on a fait ça. Alors ferme hydroponique. La clinique frontalière, ça améliore l'habilité d'une planète. Et franchement, pour Eriga, ça pourrait être fort sympathique d'améliorer l'habilité d'une planète. Parce que l'habilité d'une planète, si on n'est pas vraiment au mieux, ça donne des malus. Ouais, regardez. Le bonheur de la pop, maximum. Pour l'instant, je serais qu'à 60%. Alors ici... Ah ouais, 226. Oui, c'est... Ouais, c'est un peu... C'est un peu fort quand même pour moi, là. Ouais. On va devoir... On va devoir attendre un peu. On va faire un spatioport. Un spatioport ici, ça serait sympa. Très très sympa. Ici on peut améliorer, bah améliorons. Si on améliore, améliorons également. Ça se peuple. Et ici on y est presque. Dès que lui finisse de faire s'améliorer, on pourra coloniser la planète. Déjà, on va construire les fermes. Toi tu vas construire la mine. Mine basique. Oui. Et toi tu vas faire la ferme. Bien. Les sous scientifiques, là j'en ai un qui fout rien. Il est où? Ah il est là-bas au fond. Bah tu vas ici. Hein. S'il te plaît, balade-toi. Balade-toi. Par contre, là ma flotte... ouais c'est vrai, elle est ici pour l'instant. Waouh! Oula, calme-toi le chrono s'il te plaît. On va se mettre en orbite de la planète. Et ici on améliorera sans doute les flottes. Je pourrais avoir des petits bonus sympas. Raffinerie par exemple, usine de Teldar. Entretien. Pour être sympa. Arme cinétique plus 10%. Arme énergétique plus 10%. Chantier d'assemblage de corvettes. Ça peut faire des bons petits bonus. Mais ce sera pour le prochain épisode. Hein. Je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. L'empire de l'organisation planétaire se porte à merveille. On est en train de s'étendre. Peut-être que j'irai coloniser une de ces deux planètes. Un de ces quatre. Même si en soi, il faudra déjà que je sache. Monde aride. C'est pas ce qu'il y a de mieux ici. Ouais, je vais la regarder. Ouais, il y aura sans doute un avant-poste à faire dans le coin. À voir. Quoi, ici à la surface. Est-ce que je peux détruire la jungle? Je sais plus si j'ai la technologie pour détruire la jungle. Peut-être un jour, il faudra que j'aille coloniser cette planète. Afin de défoncer l'avant-poste, de le détruire, et de pouvoir le placer un peu plus en avant. Par exemple, la Nupran. Comme ça, je pourrais ensuite coloniser cette planète et le tout sera toujours relié à mon territoire principal. Bon, on verra ça la prochaine fois. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus les gens.